Marissane, voilà. Et l'ensemble de la soirée, donc, qui sera retransmise sur la... Il a livré 42 reprises de boxe professionnelle. Marissane, voilà. Et l'ensemble de la soirée, donc, qui sera retransmise sur la chaîne dédiée au sport de combat, Combat Sport. Conformément à la tradition, je vais vous présenter les officiels de la Fédération française de boxe. La déléguée de réunion, madame Véronique Malard, assistée au gong et au chrono de monsieur Jean-Pierre Vincent, le médecin de ring, le docteur Ludovic Levasseur, le corps arbitral détaché pour cette soirée, donc ceux qui rempliront à tour de rôle les fonctions de directeur de combat ou de juge, eh bien je vous les présenterai au gré du programme un peu plus tard dans la soirée. Voilà, super du programme qui compose. Le plateau logistique de cette soirée sera enregistré sur Combat Sport avec le live donc à partir de 9h30, 21h. C'est pour M. Sylvain Sorouche, 40-37, et donc déclaré vainqueur de ce combat, Bruno Marcelin. Il va effectuer dans quelques instants son troisième combat, il est invaincu. Les conditions d'accueil,
destiné aux boxeurs, reçu depuis hier 18h. Mesdames et messieurs, le pointage des juges, c'est une décision unanime pour M. Jean-Louis Lecoq, 37-40. Pour M. Soumaïl Alitouche, 37-39. Et pour M. Charles Chedouf, 36-40. Et donc déclaré vainqueur de ce combat, Antoine Boy. Mesdames, Mesdames, Messieurs, le pointage des juges, décision partagée. Pour M. Charles Chedouf, 36-40, avantage. Il est professionnel depuis le 13 décembre 2009. Il va effectuer ce soir son 26e combat. Le palmarès comporte 8 victoires, 5 obtenues en limite, 17 défaites, 11 concédées en limite. C'est son premier combat en France. Ça... Ah, vous voyez là, 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 encore deux, fin de la quatrième. Allez, Mehdi! J'ai l'impression que ça marche pas. La deuxième reprise. Le bruit d'ambiance, il vous écoute! Ces femmes
Bayon, voilà, qui les a accueillis, donc lui et toute son équipe, qui a offert une prestation de très très haute qualité aux délégations ukrainiennes, hongroises et marseillaises, et également, merci également au Boxing aussi, meilleur arbitre mondial 2012. Thank you.